L'indicateur de force relative ou RSI est un indicateur technique très précis, largement utilisé en bourse. Il permet de donner une visualisation graphique assez simple de la force ou faiblesse de la tendance actuelle des prix d'un actif sur la base de ses cours passés. Le RSI est classé comme un oscillateur de momentum. Il mesure donc la vitesse et l'amplitude des mouvements des prix de l'action en comparant les moyennes des prix des clôtures en séance haussière à celles en séance baissière. Les actions ayant connu de forts changements positifs récents auront donc un RSI élevé et de même, les actions ayant connu un fort changement négatif auront un RSI faible. Cet indicateur fournit aux investisseurs adeptes l'analyse technique des signaux sur la dynamique future des prix de l'actif. Donc par dynamique future, on sous-entend de savoir si les prix auront plutôt une tendance haussière ou plutôt une tendance baissière. Lorsqu'il est utilisé de manière convenable, cet indicateur peut s'avérer assez efficace et le devient encore plus quand il est combiné avec d'autres indicateurs comme les bandes de Bollinger. Lorsque l'on débute dans le domaine de l'investissement, il est souvent difficile de choisir quel indicateur appliquer pour une telle ou telle stratégie. Une fois le fonctionnement de l'indicateur dans sa globalité assimilée, il est plus aisé d'en faire un outil fiable et compréhensible. Découvrons donc ensemble dans cette vidéo qu'est-ce que le RSI, ses atouts, la formule derrière son calcul, des cas pratiques de son utilisation, que ce soit en combinaison avec d'autres indicateurs ou en utilisation seule, et enfin ses limites. Vous regardez un nouvel épisode sur la chaîne NS Capital, je vous remercie de votre écoute. Bonjour. Le RSI ou indice de force relative est un indicateur qui révèle la force de la direction actuelle de l'évolution des prix d'un actif. Il permet aux investisseurs de confirmer ou non la tendance actuelle observée. Développé par G.W. Wilder en 1978 dans son livre New Concept in Technical Trading, cet indicateur a pour objectif de déterminer les situations de surchauffe ou d'essoufflement des marchés. Il permet entre autres d'identifier les points de basculement des actifs. Le RSI peut prendre des valeurs comprises entre 0 et 100%. Une valeur proche de 100% traduisant ainsi une situation de surachat de l'actif et une valeur proche de 0 traduisant au contraire une situation de survente de l'actif. Dans les deux cas, une réaction des marchés est à envisager afin de faire revenir le RSI à une situation de neutralité et donc sortir des zones de surachat ou survente. Le RSI est donc utilisé afin d'identifier les sommets et les creux des prix d'un actif. En période haussière stable, le RSI se situe généralement entre les valeurs 50 et 100%, tandis qu'en période baissière stable, le RSI se situe généralement entre les valeurs 0 et 50%. Intéressons-nous maintenant à comprendre la formule derrière le RSI. Le RSI est calculé en utilisant la formule à l'écran. Cet indicateur est donc calculé en comparant la moyenne des rendements haussiers observés sur une certaine période à la moyenne des rendements baissiers observés sur cette même période. Généralement, la norme consiste à utiliser 14 jours pour calculer la valeur du RSI d'un actif. Faisons un exemple concret afin de mieux comprendre l'approche utilisée pour calculer la valeur de cet indicateur. À l'écran, l'évolution des prix de l'action Bombardier. Sur les 14 derniers jours, Bombardier a connu 8 journées de rendement positif contre 6 journées de rendement négatif. La première étape est donc de calculer le rendement journalier de l'action sur chacun des 14 derniers jours. On va par la suite filtrer les journées où le rendement a été positif des journées où le rendement a été négatif. Une fois filtré, on va calculer la moyenne des rendements pour chacune des deux séries sur cette période. Une fois les deux moyennes calculées, le plus dur est fait. Il ne manque plus qu'à utiliser ces deux valeurs pour résoudre la formule du RSI à l'écran. Et donc au final, on trouve que l'action Bombardier a approximativement une valeur autour de 53 pour le RSI. Comparativement, si on regarde sur TradingView, on remarque que la valeur du RSI qui est dans leur graphique est autour des 54, ce qui est assez proche de notre valeur. La même logique peut être appliquée lors de chacune des autres journées afin d'obtenir une série de valeurs de RSI qui seront par la suite tracées dans un graphique pour faciliter la lecture. C'est donc comme cela qu'est tracé le RSI que l'on retrouve sur les différents outils numériques tels que TradingView, Investing.com, Yahoo Finance, etc. Maintenant que l'on a découvert ensemble l'approche et la mécanique derrière le calcul du RSI, on va plutôt s'intéresser à comprendre comment lire et interpréter cet indicateur sur un graphique en général. Généralement, lorsque le RSI dépasse par le bas le niveau de référence de 30, ceci indique un signe haussier. Au contraire, quand ce dernier glisse au-dessus du niveau de référence de 70, ceci est un signe baissier. En d'autres termes, des valeurs de RSI de 70 ou plus indiquent qu'un titre est en train de devenir suracheté ou surévalué. Un RSI de 30 ou moins indique de son côté une condition de survente. L'actif est encore une fois peut-être prêt pour un renversement de tendance, dans ce cas-ci probablement une hausse des prix. Dans le cas de présence d'une tendance assez forte des prix de l'actif, le RSI peut tomber dans une sorte de bande ou plage. Lors d'une forte tendance haussière, le RSI reste généralement au-dessus des niveaux de 30 et atteint fréquemment le niveau de 70, tandis que lors d'une forte tendance baissière, il est au contraire très rare de voir le RSI dépasser le niveau des 70. L'indicateur demeure plutôt assez proche des niveaux des 30 ou moins. Ces lignes directrices peuvent donc aider à déterminer la force et la tendance à repérer lors des renversements potentiels. Par exemple, si on remarque que le RSI a du mal à franchir le niveau des 70 lors d'une tendance haussière pendant une bonne période de temps, mais que ce dernier brise en dessous du niveau des 30 à un moment donné, ceci peut donc signifier que ces tendances haussières commencent à s'affaiblir et pourraient s'inverser plus bas. L'inverse est également vrai. Si maintenant on est en présence d'une tendance baissière mais que le RSI ne parvient pas à briser en dessous du niveau de référence de 30 lors d'une bonne période puis remonte proche des niveaux de 70, on peut conclure que la tendance baissière commence à s'affaiblir et pourrait s'inverser à la hausse. Contrairement à la croyance populaire, le seuil qu'on a vu des 30-70% ne sont pas gravés dans le marbre. L'investisseur doit savoir adapter sa lecture pour cet indicateur tout dépendamment des conditions de marché de l'actif et de l'évolution de ses prix. Par exemple, Constance Brown, qui est une célèbre adepte de l'analyse technique, a défendu l'idée que lors d'une tendance haussière, un signal RSI de survente est probablement situé à un niveau bien supérieur à celui des 30%. De la même façon, lors d'une tendance baissière, un signal RSI de surachat est probablement situé à un niveau bien inférieur à celui des 70%. Comme on peut le voir dans le graphique suivant, lors d'une tendance baissière, le RSI aura des pics autour des 50% et non des 70%. Dans ce cadre-ci, l'investisseur devra faire attention à adapter la logique que l'on a discutée jusqu'à présent et modifier donc le seuil de surachat de cet actif à 50% et non 70% pour avoir quelque chose de plus fiable. Voyons maintenant cet indicateur en action dans cet exemple. En général, la méthode des franchissements de niveau est la stratégie la plus simple et la plus utilisée afin d'investir à l'aide du RSI. À l'écran, l'évolution des prix du platinium lors de la période de 2018 à 2021. Deux franchissements peuvent être repérés sur le graphique. Le premier franchissement du RSI se produit vers le mois de février 2020 où l'index franchit la zone de survente. On a donc là un signal d'achat. Le deuxième franchissement se produit 10 mois plus tard. L'index franchit cette fois-ci la zone de surachat, synonyme de signal de vente. Un investisseur qui aurait appliqué la stratégie des franchissements de niveau aurait donc acheté du Platinum en février 2020 pour le revendre vers début 2021. Les prix du Platinum ayant augmenté de 600 à plus de 1200 $ sur cette période, il aurait ainsi réalisé un joli rendement de près de 100%. Le prix de l'actif ayant par la suite diminué pour passer de 1200 $ à moins de 1000 $ en l'espace de quelques mois. Ainsi, dans la plupart des cas, le franchissement des zones de surachat ou de survente est suivi d'une correction à la baisse ou à la hausse. L'actif revient donc encore une fois en zone de neutralité. Comme on vient de le voir, le RSI est un excellent indicateur de retournement de tendance. Il est préférable par contre de combiner cet indicateur avec d'autres indicateurs afin d'avoir plus de précision et confirmer donc un signal. Le graphique à l'écran montre encore une fois l'évolution des prix du Platinum sur la même période que précédemment. Le RSI est cependant cette fois-ci combiné avec un second indicateur qui est les Bollinger Bands. Comme le nom l'indique, les Bollinger Bands sont des bandes qui sont placées à distance fixe d'une moyenne mobile, l'encadrant ainsi pour former une sorte de canal. Elle permet de mesurer la volatilité des prix de l'actif et donc de donner une visualisation graphique simple du moment où les prix s'éloignent un peu trop de leur moyenne mobile. Comme discuté précédemment, le RSI franchit à la baisse la zone de survente en février 2020. Au même moment, on remarque à l'écran que les prix de Platinum sont sortis à la baisse du canal formé par les bandes de Bollinger. Cela donc vient confirmer le retournement de tendance dont le signal nous a déjà été donné par le RSI. Deux informations importantes donc à retenir en regardant le graphique. Premièrement, le RSI nous indique que les prix du Platinum est en situation de survente. Un retournement est donc très probable. Les bandes de Bollinger viennent indiquer que la volatilité récente des prix a été importante. Les prix sont très éloignés de leur moyenne mobile et plus intéressant, ils sont rendus à un niveau bien inférieur à leur moyenne mobile. D'ailleurs, cette baisse est tellement importante que les prix ont brisé le canal inférieur des bandes de Bollinger. Ces deux informations combinées indiquent qu'on est en présence d'une réaction du marché et qu'une correction à la hausse est à prévoir afin que ces deux indicateurs reviennent à leur état de neutralité. Au final, la combinaison du RSI et des Bollinger Bands nous a permis de confirmer et de renforcer le signal de vente. Notez qu'il faut toujours faire attention de bien combiner les différents indicateurs afin d'obtenir des résultats optimum. En effet, comme on peut le voir à l'écran, les prix du Platinum ont franchi à plusieurs reprises les bandes de Bollinger sans pour autant que le RSI franchisse la zone de survente ou de surachat. Le signal émis donc par les bandes de Bollinger n'a pas été confirmé par le RSI. Il n'est donc pas nécessaire de modifier sa position. Parlons maintenant de divergence. Ce concept peut paraître un peu technique à première vue, mais il reste quand même un concept assez intéressant à visiter. Une divergence haussière se produit lorsque le RSI franchit la zone de survente. Il casse donc vers le bas le niveau des 30 et réalise un creux minimal plus élevé que son précédent creux, alors que au même moment les prix de l'actif continuent à diminuer et affichent une tendance négative. Par exemple, à l'écran on peut voir que juste avant le mois de février, le RSI de cet actif a brisé la zone de survente pour réaliser sa pire valeur. L'indicateur a ensuite commencé à augmenter graduellement jusqu'à sortir même de la zone de survente vers le mois de février pour après rebriser en bas et atteindre son creux minimal vers la moitié du mois de février. Si on compare donc les deux seuils minimaux réalisés par le RSI tout le long de cette période, on remarque que le second creux est moins important comparativement au précédent. La tendance à long terme du RSI est donc plutôt positive. Maintenant, d'un autre côté, si on regarde les prix de l'actif, on remarque que ce dernier évolue quant à lui de manière négative tout le long de cette même période. La croissance positive qui a eu lieu entre la mi-janvier et la mi-février du RSI ne s'est donc pas reflétée sur les prix de l'actif qui a continué à réaliser des bas encore plus bas, tandis que le RSI réalisait des bas plus hauts. Ceci donc est un exemple concret de divergence du RSI. Si on revient maintenant à notre graphique, la dynamique haussière croissante du RSI et une cassure au-dessus du territoire de survente pourraient être utilisées par les investisseurs afin de se repositionner et ouvrir une position d'achat. Notez comment les prix ont complètement changé de trajectoire lorsque le RSI réalise son deuxième bas et brise ensuite en dehors de la zone de survente, indiquant une divergence. Ce concept peut paraître compliqué à première vue. N'hésitez pas à relancer les deux dernières minutes afin de mieux comprendre cette dernière partie. Bien sûr, vous pourrez toujours partager vos questions ou vos commentaires. Comme toujours, je me ferai un plaisir d'y répondre. Une autre célèbre technique d'investissement en utilisant le RSI consiste à examiner le comportement de l'indicateur une fois qu'il émerge du territoire de surachat ou survente. Le signal haussier appelé Bullish Swing Rejection comporte 4 phases. Premièrement, le RSI tombe en territoire de survente. Il casse donc la barre des 30%. Deuxièmement, le RSI repasse ensuite au-dessus des niveaux des 30% et sort donc de la zone de surachat. Troisièmement, le RSI s'essouffle et repique en bas sans pour autant briser en dessous du territoire de survente. C'est d'ailleurs ce qu'on voit à l'écran entre les zones 3 et 4. Bien que le RSI a brisé en bas, il a réussi à se maintenir plus haut que le niveau des 30%. Finalement, en quatrième étape, le RSI recommence à augmenter et brise au-dessus de son plus haut niveau récent. Une fois que le RSI brise au-dessus de son récent plus haut niveau, le signal est donc lancé pour un possible regain en vitalité des prix de l'actif par la suite. Passons maintenant aux limites de l'indicateur. Le RSI n'est malheureusement pas l'indicateur magique qui donne des résultats sans faute. En effet, contrairement d'abord aux autres indicateurs comme les moyennes mobiles, le paramétrage du RSI peut être un peu plus compliqué. Il faudra aussi faire très attention à l'unité de temps choisie du graphique. En effet, le signal du RSI peut être complètement différent que l'on soit en unité de temps journalier, 4 heures, 1 heure ou 30 minutes. La possibilité de faux signaux est également possible quand le RSI n'est pas couplé à d'autres indicateurs qui viendraient servir comme parachute et confirmer ou non le signal obtenu. Enfin, le RSI étant un indicateur affichant le momentum, il est possible que cet indicateur demeure en zone de surachat ou survente pendant une bonne longue période si ce dernier exhibe en effet un momentum important dans l'une ou l'autre direction. Le RSI est généralement plus utile dans un marché oscillant où le prix de l'actif alterne entre mouvements haussiers et mouvements baissiers sans réelle tendance forte. Ceci donc conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous êtes intéressé à voir d'autres épisodes consacrés à d'autres indicateurs techniques comme le Bollinger Band, le MACD, la moyenne mobile, etc. Vous êtes sur la chaîne NS Capital. Je vous remercie encore une fois de votre écoute. Au revoir.